Acesta este un Jeep Wrangler Rubicon Unlimited, an de fabricație 2007, ediție Trail Rated. Are bumpere față-spate din aluminiu mai ușoare și mai rezistente decât cele originale. Insert grilă și snorkel modulabil pentru protecție și randament mărit. Concluzia este următoarea. Un 4x4 nu ți-l cumperi, ți-l construiești. Salut! Sunt Achim și acesta este Wine 4x4. Nous avons planté avec le docteur Karl Hauptmann ce vignoble qui faisait 80 hectares, 60% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon et 10% de Fetasca Negra. Nous allons replanter 10 hectares supplémentaires de Fetasca, mais également des cépages blancs, mais ça, ce sera la surprise dans 3 ans. Une fois qu'on avait fait les analyses de sol, nous avions décidé que le cépage principal soit le Merlot parce qu'il s'apparente très bien avec ce climat influencé par la mer Noire et par les micro-sources qui viennent de la couche inférieure du Danube. Et ça, c'est un énorme avantage. Ici, au niveau technologique, nous mettons en cuve inox. Il y a plusieurs capacités. Et à l'Irec en vin, on a des cuves de 125 hectolitres qui nous vont parfaitement. Évidemment, toute l'installation est thermorégulée. Donc, ce qui nous permet à la fois rosé, rouge et blanc, d'avoir une parfaite maîtrise des températures, donc une parfaite maîtrise de la fraîcheur et également de l'extraction des tanins. Au fur et à mesure des années, j'ai essayé de m'adapter également en fonction du consommateur. Nous gagnons régulièrement le meilleur concours qui se passe en Roumanie et on est arrivé avec des vins maintenant qu'on est peut-être dans la bonne direction. C'est un style également que nous voulons donner ici, mettre plus sur l'équilibre du fruit et de la fraîcheur. Nous avons l'habitude ici de mettre à peu près 30-40% de bois neuf, sauf la Fetasca, pour ne pas surboiser ce merveilleux cépage qui supporte moins bien le bois neuf. Nous fonctionnons sur la Fetasca Negra ainsi que sur le Merlot à une température de 26-27 degrés. 1 à 2 degrés de plus, je pense, sur les Cabernet Sauvignon qui méritent un peu plus de chaleur pour pouvoir extraire ces tanins merveilleux. Mon boulot d'énologue consultant, c'est d'essayer de donner les bonnes solutions pour faire du bon vin. Le coupage, c'est un mot que je ne connais pas. Je ne l'emploie jamais. Pour moi, l'assemblage, c'est d'avoir 15 échantillons et d'essayer de créer un vin. Ça, c'est l'assemblage. J'invite tous les consommateurs roumains à venir nous visiter. Et nous sommes une winery ouverte au public. Et si j'étais roumain, je dirais Noroc, mais je peux dire ce mot dans tellement de langues, je vais le dire dans la mienne. Merci de votre visite. Santé. Unul din secretele somelierului este că vinul trebuie să coste cât mâncare. Un furnizor de ingrediente este cel care îți aduce oricând și oriunde produsele necesare. Ingredientele de calitate sunt imperios necesare unei bune asocieri gastronomice. Un bucătar profesionist este de neînlocuit atunci când vrem ca rezultatul să fie unul excelent.
spre cabana aia care arată mult mai bine. Hai să vedem cum îmbinăm plăcerea condusului 4x4 și savurarea vinurilor și a băuturilor alcoolice. Niciodată nu deguști și apoi conduci. De aceea, organizarea unei degustări de vin și a unei ture în vie sau un off-road trebuie să fie în ordinea aceasta. Tura înainte și degustarea după. De aceea, sloganul meu este: cheile, le vedeți? Acolo rămân până mâine dimineață. Până atunci, savurează responsabil.